cela. Je sais. Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tonna. Ivar et Ubbe resteront ici. Mieux vaut que Tonna pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Je vois. Allons-y. Ce ne sera pas long. Une petite fortune pour qui enverra Tonna chez elle. Je risque de te prendre au mot. D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tonna. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire. Ubbe avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Borgred a été vaincu. À ma connaissance, Tonna a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. Et les voilà. Comme si elle a l'air de t'apprécier, continue à parler. Elle est plus ton type, je crois. Non, non. Ce défi est pour toi. Allez, approchez, s'entraîner. Les gardes sont vigilants par ici. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe? Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Ça ne m'intéresse pas. Oh, pourquoi? On dit que j'ai la langue plutôt agile. Pour jacasser, ah oui, c'est sûr. Assez bavardé. Tu sais pourquoi nous sommes ici? Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Parce que nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaire tous les deux. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Je veux que tu me dises à moi ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer. Quand Ceowulf sera sur le trône, tu crois qu'il oubliera que tu t'es mise sur son chemin? Que tu as douté de lui? Diminue ton prix de moitié, et peut-être que le premier ordre de Ceowulf ne sera pas de réclamer ta tête. Tu as du cran, toi? Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux, l'Edcestre et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors comme on dit, bon vent. L'Edcestre et le fort de Templebro. Tu connais ces endroits? Non, mais les frères sûrement. Je vais aller leur poser la question. Ne reste pas trop longtemps ici. On a un roi à rattraper. Sigurd nous a tout dit. Bien joué. L'Edcestre et le fort de Templebro. Que savez-vous de ces lieux? L'Edcestre est un grand village. Et Templebro, c'est une vieille fortification, guère plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner, et sans tarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tonna?
Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Laissez-moi m'inquiéter de ça. Il faut se mettre en route, Drengir. Je peux m'emparer du fort de Templebro. Je vais me joindre à toi, Sigurd. Ce qui me laisse l'Edcestre, dont je vais devoir m'occuper seul. Amène un ami, mon frère. Si Eivor accepte de porter ce titre. Allez-y. Je vous rejoindrai tous très bientôt. You have the sharper tongue. Deviens mes yeux.
tombe à pic. On aurait mis cet endroit à sac sans toi. Qu'est-ce que tu as vu? Beaucoup de soldats, des allées et venues de chariots. Cette fouine de Burgred est là, j'en suis sûr. Tu vois les bains là-bas et cette église? J'ai envoyé un éclaireur. Il devrait revenir d'un instant à l'autre. Eux et Sigurd à Templebro? Non, et si Burgred se cache ici, ce sera inutile. Il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas à faire si on se bornait à tuer les rois. Mais à cause de mon frère aujourd'hui, on en couronne. Les tensions sont vives entre vous deux. Je vous aurais cru plus proche. Sigurd et toi, vous vous entendez toujours bien? Oui, la plupart du temps. Tu es encore jeune. Attends d'avoir mon âge et tu verras. Plus on est proche, plus on voit les défauts de l'autre. Bon, il ne faut pas qu'il nous voie, sinon Burgred filera de nouveau. Reste ici à attendre ton éclaireur. Moi, j'y vais. Va, Sénine. L'église est bien gardée. Il y a peut-être une autre voie. Thank you.
avec moi. C'est fini pour toi. Ramène-moi. Allez, ensemble. Depuis l'autre côté.
assez. Je dois passer de l'autre côté. Cacher une grande quantité de marchandises, des caisses pleines de vivres et d'équipements. Burgred a la ferme intention de se battre. Ce sont sûrement les bains. Reste à trouver le moyen d'entrer. Ouais ! Le Christ est à nos côtés.
reprendre Tamwerk aux Danois. Il faut d'abord assurer le ravitaillement. Ordre de Léofrit. Ordre de Léofrit. Le roi commence à se lasser de lui, tu sais. C'est ce que disent tous les hommes. Se lasser. Comment ça? Tu es aveugle? Il n'arrête pas de mettre en doute les décisions de Burgred. C'est comme ça depuis que les Danois sont arrivés. Albert. Tu as perdu.
perdu la tête ? J'avais peur que ce soit l'un d'eux. Moins fort ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je cherche Burgred. C'est toi l'éclaireur d'Ivar ? J'espérais réussir à trouver Burgred et à le convaincre de se rendre. Mais il n'est pas à l'Edsestre. En es-tu certain ? Léofrit est passé par ici avec plusieurs hommes. J'ai écouté. Apparemment, ils ne font qu'entreposer des vivres. Mais il a dit une chose intéressante. Il a ordonné d'envoyer plus d'hommes auprès de la femme de Burgred, Damat Elswiss. Elle est à Templebro. Elle doit savoir où se cache Burgred. Tu entends ça ? Des bruits de combat. Ivar. Bon, il faut t'éloigner d'ici. Vite ! Où est-ce que tu vas ? Je connais le chemin. Nous allons traverser le marché. Par ici. Reste près de moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Te battre ! Je ne crois pas. Mon Dieu. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Il t'aurait tué, Tjolbert. Tu n'avais pas le choix. Reste là. Où est ton roi ? Saxon, où est-il ? Dieu notre père, accorde-moi le salut. Où est-ce que leur dieu trouve le temps de s'occuper de toutes ces pleurnicheries ? Qu'est-ce qui t'a pris, Ivar ? Tjolbert aurait pu se faire tuer. Qui suis-je pour empêcher un jeune garçon de trouver son propre courage ? Ne cherche pas d'excuses. Tu ne penses qu'à t'amuser. Non. Ce n'est pas Ivar qui m'a envoyé. J'étais volontaire. Sois prudent, petit. Tant que ton père n'est pas couronné, tu es l'ennemi de la Mercy, pas son champion. Tu comprends ? Oui, je comprends. Bien. Maintenant, rentre à Repton et reste-y jusqu'à ce qu'on t'appelle. Tu ne restes pas, ami des loups. Il n'y a pas de roi, mais ça ne manque pas de cadavres à dépouiller. Atel Swiss, la femme de Burgred, elle est à Templebro. Je vais aller découvrir ce qu'elle sait. Prenez tout !
vois-tu, ma vieille amie? Vous vous en sortez mieux que ce Taiseux. Il nous... Eivor, te voilà. Et qui sont ces prisonniers? Des hommes du fort, sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est Atelswiss, sa reine, qu'il protège. Ils ont dû être séparés après Tamworth. C'est ce que m'avait dit Cheolbert, à l'Edcestre. Cheolbert? Que faisait-il là-bas? Ivar. C'est une longue histoire, mais il va bien. Je l'ai envoyé à Repton. Qu'est-ce que ça donne ici? L'ennemi ne va pas tarder à envoyer des gens chercher ses hommes. Nous devons entrer et trouver Atelswiss. S'emparer d'une reine pour trouver un roi. Ça peut marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essaie de tirer d'eux d'autres informations. Eivor et moi allons nous charger de capturer Atelswiss. Codin, guide vos pas. Les Saxons ne vont pas nous accueillir à bras ouverts. On peut essayer d'entrer discrètement ou utiliser ton navire. Le choix te revient. Ah, Eivor, ce que j'ai pu rêver de ce jour. Celui où tu parcourais un comté à la recherche d'un roi? Celui où je me ferais viking. Avec toi, avec nos frères et sœurs, à conquérir de nouvelles terres, à lier des amitiés. Et si cela suppose de traquer une fouine? Va. Ma fille. Eivor, nous discutions de... Et si cela suppose de traquer une fouine en terre inconnue? Qu'il en soit ainsi. Je suis là où je désire être. Moi aussi, mon frère. Agissons en viking, alors! Reviens ici! La fin est proche! Oh.
Tu sors ! Suivez-moi ! Je te maudis ! Avant tout. Allez, mes loups ! Agissons en viking, alors ! Allez, ensemble!
Prends mon souffle sur ta nuque. Toutes les trois, filez. Dame Atelswiss, je vois que Borgred a fait son possible pour vous cacher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accordez la liberté à mes suivantes. Les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça, Eivor? Noble, altruiste. Le genre de femme avec qui on peut conclure un marché. Une dame de qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis-nous ce cache Borgred, et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie, je n'en sais rien. Très efficace, Sigurd. Elle n'a pas conscience de sa situation, mais elle va vite comprendre. Un instant. Ce sont des mains de la Vendière. C'est une servante. Elle n'est qu'un leurre. Occupe-toi des servantes. Je vais suivre Atelswiss. Reste en place. Ne laissez pas votre garde. Tu l'as perdu.
ça. Allez. C'est fini. Mon mari vous enverra tous en enfer. Arrête-la! N'approche pas de moi! Ne t'avise pas de poser les mains sur moi! Pour le pays! Bien pensé, ta seigneurie. Ne nous a pas facilité le travail. Je t'interdis de me toucher, païen. Ton sens de l'hospitalité s'est envolé. Voilà qui est clair. Relâche-moi. Je l'exige. Après le mal que tu m'as donné, ce serait idiot de ma part. As-tu conscience de ce que tu fais, païen? Je suis la reine de Mercy. Tu perds ton temps, je ne parlerai pas. Ni à toi, ni à aucun de tes frères barbares. Je t'invite à te raviser, ne serait-ce que pour ton peuple. Qui sait combien risque de mourir de nos mains de barbares? Tu ne me fais pas peur. Alors tu es stupide. Dame Atelswiss, ta situation est peu enviable. Dieu fera rôtir ton âme païenne, s'il t'en trouve une. Je l'ai prise, Eivor. Elle est aussi poète que toi. Où est ma Cadeline? Qu'avez-vous fait d'elle? Tu veux parler de ta servante? La fille courageuse qui a revêtu tes atours? Elle est enchaînée avec les autres. Je vais les ramener à Tamworth. Nous les ferons parler. Si l'un de vous ose porter la main sur elle. Je vais informer Théowulf. Il saura peut-être comment parvenir à la faire plier. Je te retrouverai là-bas. Sigurd, et pour les prisonniers? On a ce qu'il nous fallait. Relâche-les. Sois à jamais béni, la vie. Quoi encore ? Merci. Oh.